J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que vous en avez pensé, évidemment, de, de, de ce jeu. Parce que moi, de mon côté, euh, c'est un jeu que je vous faisais découvrir. C'est un système OSR. C'est un... quelque chose que je, je trouve intéressant. Je vous avouerais... Euh... Oh, je, vous en, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais j'aimerais savoir votre ambiance, euh, votre, 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 votre feeling général. Ça ressemble à quoi? Ben moi, j'ai trouvé qu'on était dans le ton. Oui. Ça, ça rendait ce qu'on c'était censé rendre euh... exactement ça tout à fait pouvait pas avoir de doute Je pense que non ouais tout à fait, cool. tout à fait. On, on, on a retrouvé pas mal de euh, de d'archétypes de, 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 euh, de poncifs du genre euh, le flic ripou la femme fatale euh, le les, les patients le, le moment où euh, où, où caroline se retrouve avec euh, le détective là sur sur le lit en, en situation un petit peu oh voilà, c'était euh, vraiment pas mal euh, il... le, le fait de d'être dans dans, dans, dans l'illégalité le fait de se retrouver piégé de devoir démêler, euh, démêler tout ça moi ouais, oui c'est on était vraiment fin... En tout cas, euh, pour moi, on était dans, dans, dans la thématique que, que j'attendais. Ouais, absolument. Moi, bon, euh, de mon côté, euh, surtout au niveau ludique du jeu, euh, ce que j'ai apprécié, c'est euh, la possibilité de, de juste dire comme non, non, je l'ai faite, mais je vais payer pour. Je vais passer à la caisse. Même si, tu c'est le moment où est-ce que tu choisis de payer pour pas échouer. Et c'est le genre de truc que j'aime bien dans des jeux. Euh, qui sont moins comme, euh, tu sais, ah ben voilà, tu t'es fait atteindre, t'es mort, puis c'est fini là. C'est ça, c'est un truc un petit peu plate. Ouais, c'est moins, euh... moins binaire, c'est moins binaire, ça nous donne plus de, 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 de contrôle, de choix en fait. Hein, ça donne c un peu, hein? ça donne un peu de lousse et c'est toi qui choisis quand tu vas prendre ce lousse là Par contre, il n'est jamais gratuit. À part si tu roules un 1 à passer à la, la caisse. qu'on a pu voir <laughs> d'ailleurs dans un, un des cas, je pense, à la première session. Je crois que c'est ouais. moi qui avais roulé 1, je suis pas sûr. Oui, 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 mm -hmm. il me semble bien. Oui, c'est vrai. Ce qui, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est euh, justement ce que tu dis. C'est un peu, un peu comme comme souvent on joue dans l'apocalypse, c'est de dire ben, si tu n'as si pas un, un succès et, et c'est pas de trouble, si, dans le fond, si tu n'as pas un succès ou tu as, as un 6 moins, ben, ça, ça, ça développe... Un, 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 c'est sûr qu'il y a de quoi qui va arriver avec ça, mais en même temps, si c'est important pour le personnage ou pour l'histoire qu'il réussisse son action, ben, tu laisses réussir l'action, mais il mais y, y a la fiction qui te ramasse dans le détour ailleurs. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, de ne pas être obligé de juste dire ben non, tu rates finalement ou. Je suis d'accord avec toi, et Marc. Voilà. Oui. C'est ça. Et pour euh... ce du reste, ben, la... on, on a fait la... la création de personnages, pas en ligne, là, mais on, on l'a fait avec toi auparavant. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. En fait, tu nous as demandé de faire, je euh, pense, deux jets de dés ou trois jets de dés. Mm. Puis de, de faire un choix parmi deux affaires. Puis c'est comme. Voilà, votre personnage, c'est juste ça. C'est deux lignes, puis c'est tout. Puis c'est assez facile, en fait. C'est très court de juste créer des personnages, puis d'embarquer de, dans une situation. Pour ce qui est du reste, c'est. Comme vous avez dit, c'est un film euh, euh, noir, euh, genre euh, euh, un, un, un roman policier, détective, euh, des malfrats, euh, euh, dans les années quarante, euh, cinquante. Tu, tu sens bien le, comme as dit, comme as mis plein d'images en noir et blanc. Tu, tu sens le le le, le 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 truc, tu sens le, le quel. Euh, Quoique dans le livre, en fait, c'est pas de, ça se passe pas dans les années 50. Toi, tu as choisi les années 50 pour notre, euh, notre double euh, session. Ouais. Moi, je t'avouerais dans... que je suis assez. Euh... Tu, tu préfères faire ça là-dedans. Mais je sais ouais, que dans je... le livre, par contre, il y a beaucoup de choses qui sont euh, beaucoup plus modernes. Il... Ouais, il parle d'hacker et tout ça. Moi, honnêtement, tu me connais comment je suis... Euh... Euh, J'aime beaucoup les clichés. Hein. Oui. Et, euh, et, et je trouvais que c'était... Tant qu'à faire un one-shot, un one-shot, ben dans ce cas-là, ça a été deux parties, mais, mais tant qu'à faire un one-shot, je me disais, ah, vaut mieux le faire euh, dans le plus pur style euh, d'un film noir, dans, 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 dans ce que le film noir nous évoque le plus. Moi, c'était là-dedans que j'avais envie de... de, de c'était ça que j'avais envie qu'on fasse comme histoire c'est un peu pour ça que je l'ai emmené là, mais effectivement, ça aurait pu ça aurait pu aller complètement ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, Trouvez-vous que le système a, a bien servi l'histoire? La question que je, que je posais, c'est que est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas appliqué du système? Parce que tu sais, je ah. voyais, il y avait des... Les, les dés d'enquête, les ci, les ça. Euh, je... ouais les dés d'enquête. J'avoue qu'il y a certaines phases à un moment donné que. Euh, il y a certaines phases que j'ai voulu appliquer à la, pa à la première partie euh, que j'ai euh, fait. Et, et, et j'ai trouvé que ça. Euh, j'ai trouvé que, pas que ça nuisait, mais que ça amenait une espèce de côté moins, moins facile. L'autre chose aussi, c'est que le livre est, est relativement. Euh, il n'explique pas énormément l'intérieur du livre. On dirait que des fois, on a besoin. Il euh, y a des choses que. Même à la lecture, ça faisait deux fois que je lis, le lisais, je trouvais qu'il n'était pas complètement. Euh, je me l'avais pas complètement accaparé, on dirait. Il était, était pas évident à aller chercher. Ce qui fait en sorte qu'à qu un moment donné, j'ai comme fait, je poste un peu pour ça que j'expliquais. Ben, j'ai comme fait, oh, OK, bon, là, euh, je vais juste, euh, on va juste faire une belle histoire, on va continuer l'histoire. Mais effectivement, c'est un, un système qui. qui, euh, qui le, le, le livre mériterait à être un peu, euh, peut-être, mieux expliqué euh, dans sa façon. Parce que des fois, on cherchait, cherchait puis je, je trouvais pas ce que je voulais nécessairement. Euh, dans le, dans le jeu, tout simplement. Fait que oui, c'est possible qu'à un moment donné, les dés d'enquête, je l'ai juste euh, euh, c pas appliqué. C'est peut-être plus, peut plus parce que j'étais dans l'histoire puis je l'ai un peu oublié. J'avoue que j'ai peut-être passé à côté moi-même euh, en tant que maître parce que j étais, j étais, je pense que j'étais plus à fond dans l'histoire que dans le, le système dans ce cas-là. Oui, hein, euh, vive la règle d'or. Yeah. Non, 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 mais on va pas. On va, on va pas relancer ça, <laughs> <rire> <rire> ben écoute, un jeu à c'est un jeu très léger de façon générale, fait au moins c'est ça. Il n'y avait pas énormément de règles à prendre en main. L'idée c'était... Et j'avoue que, que à ce soir, ça, ça a vraiment amené le, le jeu, l'histoire, le, votre, votre roleplay, tout ça, ça l'a vraiment fait couler l'histoire. Euh, et et, et j'avais envie de rester là-dedans au lieu de commencer à m'enfarger dans des règles que, que tu je connais plus ou moins ou que, que, que j'étais peut-être moins à, à fond dans les règles. C'est un, un peu le choix conscient que j'ai fait. Ouais, c'était un bon choix. Puis un peu inconscient aussi, j'avoue. C'est un bon choix. Tant qu'à j'ai j'aime autant mieux qu'on ne s'enfarge pas justement dans le, dans le tapis avec les règles qu'on a vraiment du fun dans l'histoire que... Chercher la moindre petite bébite. Non, c'est correct ça. Je, je suis d'accord. Avoir, par exemple, à rejouer, euh, j'irais me probablement que je me documenterais plus sur la façon de jouer à Macchiato Monster, qui est dans le fond une espèce de, de... En fait café noir, c'est un peu un spin-off de Macchiato Monster. Moi, je connaissais pas Macchiato Monster. Fait que je pas joué à ça. Puis, puis de façon générale, les OSR, c'est pas le jeu que je vois plus. Euh... Que je vois plus vers de façon générale, mais j'avoue que j'avoue que je me documenterais plus sur sur, euh, sur Macchiato Monster pour être capable de comprendre peut-être certaines technicalités que je n'ai pas compris à, juste à la lecture. Mais, voilà. Je, je suis en train de le lire Macchiato Monster. J'ai à peine commencé. Euh... Et euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime bien certaines innovations par rapport au, à, à l'horizon un petit peu classique que l'on que, que peut trouver. Euh, donc euh, donc euh, ouais je pense qu'à un, mo un moment, je tâcherai d'organiser euh, euh, quelques, quelques sessions de Macchiato Monster, histoire, histoire qu'on qu qu voit un petit peu ce qu'on peut en faire. Mmh. Ben écoute, ça a l'air très bon, Marc. Je pense que tu y as déjà joué, toi. J'ai joué euh, une fois, deux fois même. Mm -hmm. euh, donc pas assez pour pouvoir euh, dire que je maîtrise le jeu euh, sur, le bout des droits, sur le bout des doigts, mais euh, j'avais eu assez de plaisir pour, euh, pour savoir que si euh, un moment donné... Euh, mon groupe voulait jouer à de l'OSR, c'est probablement ce que j'allais proposer. C'est le jeu que j'allais proposer. Alors, justement, hérité de, de Macchiato, euh, ce que j'ai bien aimé dans Café Noir, c'est effectivement, bon, au début, on lance genre 2D pour avoir des, des petites phrases d'accroche, euh, enfin, des petites ouais. phrases descriptives pour, pour le perso. Et puis ensuite, on va lancer euh, 3D 6 dans l'ordre pour. Euh, pour tirer les caractéristiques, on peut en interchanger deux. Et, euh, et après, on va tirer divers dés pour savoir euh, ben, euh, quels sont les contacts qu'on a, quel, quel matos on a, euh, quelle est euh, l'arme à feu qu'on a, etc. Euh, on, on peut choisir un ou deux avancements euh, qui nous permettent de pers personnaliser un petit peu le, le personnage, comme ouais. augmenter une caractéristique ou avoir une une espèce de, de, de compétence particulière et, et tout ça ça c'est très vite donc euh, on a on a un perso assez vite euh, on peut commencer à jouer euh, tout de suite on n'a pas à se casser la tête et euh, et on est dans cet esprit de bon ben on, on voit ce qu'on peut faire avec le perso qu'on a obtenu et euh, j'ai ai bien aimé moi le un, un petit peu tout ça c'est vrai que c'est facile, ça se fait ça se fait assez rapido, même en, en, presque en claquant des doigts. Euh, puis, puis moi aussi, écoute, je vais t'avouer que les, les phrases d'accroche du début m'ont euh, un peu charmé, honnêtement. Ouais. En plus, j'avais tiré Autant quoi? J'avais tiré cinq en muscle, vous vous rendez compte? <laughs> euh, j'avais pareil donc euh, en combat nous deux on était euh... ah, c'était pas nous quoi non 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 on, on comptait sur jack pour ça Exactement. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas défoncer la porte dans la chambre d'hôtel <laughs> ah, c'est clair c'est clair Je... moi les muscles peuvent pas du tout mais du tout compter sur moi Moi, j'étais euh, si boulot ouais all right. super hein. le je pense qu'on l'a tous dit, là, un peu, l'ambiance. L'ambiance, quand on, on a un peu de culture de films noir, je parle, euh, rester dans les lois du genre est relativement facile. Et, et, et je trouve le fun. Je ne sais pas si vous l'avez senti de la même façon. Moi, j'ai ai vraiment aimé l'ambiance. Je ne sais pas si je serais capable de soutenir, ça pendant une campagne, mais pour du one shot, j'ai vraiment trouvé ça le fun à faire. Moi, c'est un petit peu la question que je me pose euh, là tout de suite sur les, les jeux qui ont une, une thématique très, euh, très ciblée, euh, à quel point justement tu peux, euh, tu peux mener ça dans une campagne et arriver à te renouveler euh, euh, vraiment, vraiment longtemps en fait. Parce que là, dans Café Noir, tu sais, une fois que tu t'es mis à dos, euh, toutes les forces de police, tous les, les criminels ouais. du coin, euh, <laughs> je veux dire, ouais, exact. Euh, tu fais quoi Après, ben, ça reste possible, ça reste possible. Ça reste possible. Ça possible, possible. Mais c'est rare aussi que tu. Tu sais, juste au niveau des romans policiers. C'est très rare que tu as des, 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 des longues sagas avec les mêmes personnages. C'est pas les Seigneurs des Anneaux, c'est pas, pas des trucs comme ça. Là. Ça va être souvent comme des, des collections d'histoires qui vont être euh, peut-être reliées par euh, des personnages qui sont dans un même quartier ou dans une même ville, mais qui ne qui sont pas les mêmes. Je, je pense qu'il y aurait de quoi à faire avec ces personnages-là, dire, ah, oh, ben écoute, euh, ils sont à Chicago, là, ils ont vécu leur ville, avoir une espèce de, de comeback là-dessus, ou, euh, je donne un exemple comme ça, ben le frère de, de Jack Travis qui, qui les recherche, tu il pourrait y avoir ouais, des... Il y a toujours, euh, toujours moyen. Tu sais, il, il y aurait moyen, mais je pense quand même qu'on a... Oh, mettons qu'on refait une ou deux autres euh, une ou deux autres campagnes comme on vient de faire. Je pense qu'on aurait peut-être atteint un, un seuil critique où est-ce qu'on se dit, je pense que c'est correct. Je pense qu'on a fait le tour du genre. C'est mon avis. Ouais, je te suis là-dessus. Je te suis là-dessus. Mais en même temps, si on se décide, mettons, on dit oh, on refait un autre one shot et vous brassez d'autres phrases. Tu sais. Euh... Si, mettons, je regarde au niveau des phrases, là euh, y y il aurait, y aurait de quoi faire assez facilement avec juste... Puis la façon dont ça se brasse, c'est qu'on brasse un d six Ça nous donne une, ça nous donne une, une ligne. On brasse un D4, ça nous donne une colonne. Euh, on, on, on part sur autre chose. On dit, vous avez perdu toute votre famille dans une tragédie. T'sais, déjà là, on vient de changer l'ambiance complètement. Ou vous cherchez, euh, euh, je ne sais pas moi... Euh, la vérité trop longtemps cachée. Il y a quand même pas mal de trucs qui auraient pu. Tu sais, là, on dirait que les phrases que vous avez roulées, ça, ça, ça vous amenait directement dans une ligne de On est des malfaiteurs. Pas des malfaiteurs, mais on, on est dans, dans la lignée des, des un peu euh, de la mafia et tout ça. Là. Ouais, moi j'avais tiré euh, Vous êtes un escroc, première phrase, et euh, je veux mmh. me faire respecter. Et j'avais décidé de garder les deux phrases d'ailleurs, parce que je trouvais que ça allait vachement bien. Mais ah. à, la, à la limite, ce serait, ce serait peut-être un système qui est très bien pour des, des, des one-shots ou des campagnes très courtes des, genre des trilogies euh, de, de, de scénarios. Tu, tu vas jouer très intense, très, très dans une, une, une thématique euh, très serrée, et tu vas, euh, vas l'exploiter à fond. Parce que c'est vrai que dans le polar noir, il y aurait plein de choses à faire. Hein. C'est clair. Ouais, tout à fait. Ben, Mais... moi, moi, avec ce que, avec ce que tu m'avais donné euh, comme, euh, comme background de personnage, j'ai travaillé avec ça. Euh, tu m'avais dit que j'étais un assassin qui avait du sang sur les mains. Déjà, j'ai un personnage que je sais tout de suite que ce n'est pas le euh, genre de, 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 nécessairement de, de bonne personne. Ensuite, j'ai pactisé avec les mauvaises personnes. Et ça, ça va vaut... Ça vaut de soi. Puis ensuite, tu m'avais fait rouler que je j'en dois une à un millionnaire des abusés. Mm. Et qu'un flic intègre m'en doit une. Ouais. Ce qui ah, veut dire qui que. Bien. Ouais, mais j'avais pas roulé le truc de Jack. Moi j'avais pas les... les... Euh, en voulant dire comme J'ai pactisé avec les mauvaises personnes Mais je suis pas ami avec eux autres Fait que moi je suis parti avec ça En me disant comme ok il faut que je bâtisse Un personnage qui est crédible là-dedans Je me suis dit Ok ça ça veut dire que mon personnage Il a viré mauvais Mais il l'était pas auparavant Je Qu'est-ce qui aurait pu l'amener là puis Il y a plein de, 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 de secrets en fait que j'ai juste pas révélé là-dedans, où j'ai révélé à moitié. Comme quand justement il y a eu la scène avec Sean Nessie sur la sur le lit, où est-ce qu'il me parlait de, de mon parfum? Mais ben, c'est là que j'ai révélé que ben j'avais un mari et il est mort. Et je m'étais dit, ben ça serait intéressant que ce soit relié au flic intègre qui m'en doit une. Mm parce qu'il avait pas ré réussi à élucider puis là c'était comme une... une femme qui était partie sur un sur un killing spree en voulant dire oh ouais ben, vous avez tué mon mari ben fuck it t'sais, je vais me mettre à être une tueuse à gage. » puis euh... intéressant. Ouais. ouais puis j'étais là je vais partir là-dessus. Mm. Puis puis juste avec tes phrases que tu me roulais ben j'ai été avec ça pis j'ai eu pas mal de fun. C'est vrai qu'on aurait, on aurait pu partir sur un moment, euh, sur, euh, comme tu avais une relation avec un flic intègre qui t'en doit une, euh, de le, hey, con de le contacter pour, euh, pour dire ouais, ben, il y a un ripou, tout ça. Ben, pas juste ça, j'ai failli aussi, parce que quand vous avez roulé pour euh, trouver l'adresse de Madame Sinclair, si vous ne l'étiez pas, là, moi je me mettais sur le téléphone et je l'appelais, le flic intègre, justement. Là. C'est là comme ben je vais l'obtenir l'information, ben pas de problème. Non mais ça, ça aurait pu même aller plus loin, genre tu le contactes pour dire ouais il y a Travis, tout ça, il nous il nous fait, il nous fait porter le chapeau et, et il nous aurait dit ouais on a des, des on suspecte que c'est un ripou mais on n'a pas de preuve. Il aurait pu y avoir des, des, des trucs intéressants là de ce côté là. Ah, oh, tout à fait aussi. Tout à fait. Mais on était on était euh, ailleurs. La finale. La finale avec le personnage de Jack euh, a été clairement inspirée aussi par la phrase qui a roulé. Tu sais, euh, en jouant, en, en roulant une phrase euh, qui en reste pour quelques mois. Ouais, on dirait rien que... à perdre. Là. Ouais. ouais, exact. On s'est dit, tu sais, tant qu'à qu ça, c'était intéressant de le jouer de dire. Tu sais, mais il meurt, euh, il meurt à la fin d'une façon. Euh... Ce serait pas le cancer qui va avoir raison de lui, mais d'autres choses. Ben chose, non, finalement, même. ça va être autre chose. Ouais. Je ah, trouvais ça intéressant comme. Ton, ton âme va aller va là, là. Ouais, es mort avec, ouais, es mort parce avec il une est mort. Dans la main. <laughs> il, il est mort d'une façon un peu héroïque d'une certaine façon, tu sais. Ben, il fait, il permet aux autres de s'échapper, ouais. Puis encore une fois, tu sais, c'est là que avoir le prix à payer est intéressant. Euh, je trouve qu'il est intéressant pour, euh, pour être capable justement de, de mettre en place ça parce que ça, à la fin, ça aurait été plate que, que tu touches pas puis que ça soit juste ça, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est là que tu dis ben oui, tu vas toucher, pas de problème, mais, mais tu vas en payer le prix, là, ça va coûter cher. C'est sûr, que quand il te reste un point de vie. Euh... Ouais, il faut dire, je n'ai jamais eu ben, ben des points de vie. En non, j'avoue, ouais. Hein. Ça coûtait cher aussi la balle que t'as reçue. Euh, ouais, puis j'avais pas été chanceux en partant au départ. Ouais, fait que... ça. Ouais. All right! Fait que donc, euh, ben écoutez, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai aussi. L'histoire, je vous avouerais que j'ai parti avec de quoi. Puis après ça, j'ai un peu laissé. Euh... Je les laissais aller un peu selon ce que vous ameniez. Tout ça. Ce qui fait que c'est un peu modifié. Moi, j'avais des lignes, j'avais lu euh, des synopsis de, de films noirs des années 40 là, pour avoir une idée, une idée de base. C'est un peu avec ça que je les laissais aller. L'avez-vous senti que l'histoire était, un, je dirais pas malléable, mais elle n'était elle pas figée nécessairement? Ben, en toute franchise, pas tant que ça. Mais okay. je ne je, euh, je sais pas trop comment l'exprimer, mais euh, euh, ben disons que je ne me faisais pas de soucis non plus sur, euh, sur le fait que. Enfin, moi, je pars du principe tu il sais, y, y a une enquête, il y a un mystère, il y a, y a un, y a un, 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 un plat de spaghettis euh, mmh. dans lequel il faut qu'on retrouve notre, notre boulette. Euh, et, euh, et donc, euh, et donc ça allait, ça, ça allait, ça s'est bien passé, ouais. Cool. Ouais, ben, Les autres. C est, c est, pour moi, c'est un, un, peu clair euh, tu sais même si. Euh, moi, moi, je le voyais venir avec euh, avec Travis, puis ça éclaire, clair, c'est comme c'est clair qu'ils vont nous ouvrir le dos un moment donné, mais de quelle façon, ça, je ne savais pas, fait que. Hein. Ouais, oui, celle-là, ouais, elle était visible à 100 pieds. <laughs> tu sais, c'était comme moi, ouais, OK. Mais quand même, à la fin, euh, tu sais, à quel point que tu sais, l'implication de, 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 de Darlene et tout ça, tu sais, c'est. Ça, c'était quand même bien, je veux dire. Euh, si on se doutait, oui, que que le lieutenant, il était croche, là. Mais pour le reste, c'était correct. Je veux dire, c'était lui finalement le, le vrai méchant. De ben, la le vrai méchant. Mais j'avoue qu'à la fin, euh, je ne sais pas si tu es allé ou ce que tu voulais aller. Tu sais, si on a fini trop vite ou... Dans le, dans le sens que tu nous as dit euh, Ah, euh, Darlene Sinclair, c'est une manipulatrice, c'est une ci, c'est une ça. Pour au final finir euh, que finalement, c'est elle qui subissait, t'sais. Mais la question, je te la pose, la question. C'était-tu vraiment une manip manipulatrice, tu sais, parce qu'on a comme fini court un peu que t'es pas allé jusqu'au bout de ça? Ou... Ben c'était clairement elle, elle, une manipulatrice. Ouais, elle, je pense qu'elle s'est faite avoir. Elle, elle s'est fait dépasser, en fait. Elle a essayé okay, de manipuler ouais, ouais, la mauvaise okay, personne. Ouais. Ouais, probablement, là. C'est un peu de même, je l'ai vu à un moment donné. Euh, euh... Mais, mais, mais je vais t'avouer que je m'étais laissé... Comme je te dis, je m'étais laissé du lousse par rapport à ça en disant, tu sais, je veux pas figer une histoire parce que t'sais, t'sais, la scène dans la chambre d'hôtel avec, euh, avec ouais, George Clooney, là... Meilleur, meilleur. meilleur. La scène, là, où est-ce que, tu sais, tu vo voyais un gars un peu désemparé. Oh, clairement pas un, un croche, là. Mais quand même un gars désemparé qui ne savait pas trop où se garocher et qui j, 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 ça a comme fait Ah oh, mais ben c'est intéressant ça par exemple que, que chacun d'eux autres a participé à ce que ça soit croche un peu cette histoire-là, mais, mais, mais sans l'être, sans, sans qu'il y ait vraiment de, Sans qu'il y ait vraiment un mastermind omnipotent et qui, qui a... Il y en a un qui un obsédé de elle, l'autre, elle, elle le manipulée, mais elle s'est fait, fait avoir un moment donné, puis elle tombe amoureuse d'un gars qui, lui, est un opportuniste, qui, qui veut juste sauver sa vie. Je, je trouvais ça... Je trouvais ça intéressant qu'il y ait toutes ces... ces divers, cette diversité-là de, de, de crook dans... Et que ce ne soit pas juste vraiment un, un, un mastermind qui, qui a décidé, qui fait tuer des gens et tout ça. ça, ça C'est comme un concours de circonstances. Mais ça, ça, ça s'est défini dans la partie. Tu sais, à un moment donné, il y a comme Ah ouais, là, là on va aller là. Puis tu sais, Puis, tu sais comme le, le personnage de euh, Bruce Willis euh, Chognesy, tu sais, c'était une wild card, là, je me suis dit, ça va dépendre de comment ils vont réagir. si s'attaquent s'attaque à lui, il va devenir un méchant, tu sais. Ouais. On a failli. Ça, ben oui. Ouais, mais ouais, ça, ça, ça j'ai trouvé ça bien parce que là, tu n'ai sais, j'ai comme pas vu venir. Moi, je m'attendais plus à trouver là, le corps de John Mayer, là, que trouver un, un détective privé. Ça, c'était. Ça, 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 ça j'ai trouvé ça pas pire. Tu sais, c'était ailleurs de ce que je m'attendais. Ben, encore une fois, tu moi, je souvent dans des parties comme ça, je pars avec, mettons, des milestones. je me dis point 1. Point, 2, point, 3, point 4. Point 4 c'était là. Bon, je savais. Puis là, je m'en allais jusque-là. Mais ce qui me amène, ce qui fait en sorte que j'avais fait plein, j'avais fait des NPC. Puis, tu sais, la thématique était, bon, les NPC, c'était tous des personnages connus. Tu sais, vous, vous avez vu les acteurs et tout ça. Je, bon, je trouvais ça cool dans ce sens-là. Puis là, je me disais, tu sais, j'avais le personnage de euh, voyons, Scarlett Johnson depuis le début. Fait que je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Puis, j'avais une idée au début, puis la façon que vous avez joué, vous me l'avez vous me l'avez vous l'avez fauché un peu ça, ça marche plus je peux pas faire ça, ça aurait l'air trop poussé là, après ça, bon, c'est avancé c'est avancé, puis là, je trouvais que c'était trop linéaire, pas linéaire, mais c'était trop c'était trop simple, je me suis dit, ah, tu sais, un polar noir il y a tout le temps il y a toujours une deuxième couche qui arrive un moment donné, c'est intéressant de, de définir un peu le personnage. Tu sais, c'est venu en cours de partie, puis heureusement, les fils ont pu s'attacher assez facilement pour que ça donne de quoi qui qu soit cohérent. Fait que ça, je trouve ça bien cool. C'est là ce qui est venu l'idée. Tu sais. Voilà. Ben, c'est, écoutez. Voilà. 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 Fait que bref, le, le recommandez-vous, trouvez euh, si on vous offre dans, de rejouer, est-ce que est-ce que ça vous, euh, ça vous stimule ou euh... oui 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 on me dirait on... Un, un autre euh, deux trois sessions oui ben, bon, j'ai ai bien aimé ça moi. déjà le rapport qualité-prix est plus qu'excellent je vous ai ouais, disponible ouais, sur ouais, h.io euh, ouais, ouais, pour le prix que vous voulez, ce qui veut dire que si vous voulez juste le downloader gratuitement, vous pouvez le faire. Oui, je... mais il mérite, okay. mérite qu'on qu laisse un petit quelque chose. Hein. Mm -hmm. Effectivement. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai acheté sur Lulu. Je pense que ça m'a coûté euh, le prix exact. Je pense que c'est 14 là, sur Lulu, la version imprimée. Euh, puis moi, ça fait un petit bout que je l'ai dans ma tablette. Là, -là. Puis je sais même que l'auteur a, a, a mis un peu des settings, tu sais, comme il y en a un en Alabama, d'un de, bayou, des trucs comme ça. Fait il, y a, il y a quand même de la diversité possible à jouer. Hmm. Bon. Fait que toi, Christophe. On t'offre des rejoués, tout ça. Tu, 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 tu sautes à pieds joints. Tu... Allez, pourquoi pas? Juste, euh, ne serait-ce que pour le plaisir de me dire, voyons quels personnages les dés vont me ouais. donner. Et euh, est-ce que, euh, est que je vais pouvoir en faire? J'avoue que ça, c'est... J'avoue que c'est une des... Euh, c'est la plus belle... C'est la plus belle chose... Du, moi, en tout cas, c'est la chose qui va me rester en tête comme étant la plus belle chose du jeu. Ce côté-là. Brasser le personnage. Euh, et maintenant, moi, moi, je veux juste vous dire merci parce qu'il y a une chose qui est super importante dans des jeux très thématiques comme ça, c'est qu'il y a un engagement du joueur qui est qu'il ne faut, faut jamais négliger. Il faut... Il faut dépasser un peu le... Il faut sauter à pied-joint dans, dans le roleplay, puis dans le... Euh, dans le thème, puis dans l'ambiance. La, 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 et c'est quand même pas facile, des fois, euh, de le jouer selon les clichés puis les lois du genre. Pour que, pour que ça ressorte pour, comme, comme étant un bon polar, il faut, faut que tu acceptes de de jouer selon les clichés et les lois du genre. Puis, puis vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous avez relevé le défi haut la main. Je vous, je vous en remercie, je vous en félicite. Eh bien, merci à toi, parce que tu nous as dressé une ambiance qui nous permettait justement de, de bien s'immerger dans la thématique et de, et de jouer, jouer nos personnages. Donc c'est important ça aussi. Hein. C'est très très important. Mais c'est vrai que c'est un effort de tout le monde à la table de... De, 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 de lâcher prise et de se dire, bon, ben c'est euh, ça la thématique, c'est ça euh, justement l'esthétique que l'on veut, qu veut obtenir, donc euh, faisons tous un effort pour, euh, pour aller dans, dans le même sens. Ah, écoute, c'est pas avec tous les personnages que pour nous déprendre dans une situation euh, que je vais euh, tirer une balle dans la tête d'un pauvre garde du corps innocent <laughs> qui a rien demandé. Euh, Là-dedans, je... écoute. On était pris, il allait nous mettre dans une merde pas possible avec quatre policiers. Euh, je suis une tueur à gage guerre... tueuse à gage. J'ai fait... pas hésité. Puis c'est toi qui, c'est grâce à toi. C'est, ben c'est grâce au jeu aussi, grâce à Café Noir. Fait que voilà. voilà right, ben cool ben merci merci messieurs je pense qu'on peut on peut dire en fait que c'est quoi moi je lui donne à ce jeu je lui donne un, un 7 7 7 7.5 sur 10 peut-être facile d'approche pas cher facile à jouer là maintenant la jouabilité dans le futur c'est une autre chose je pense qu'il y a un certain parti limité pour pas toujours ramener un peu la même chose mais quand même moi je le recommande bien puis c'est un style de jeu que moi, honnêtement, j'avais jamais, jamais éprouvé par le passé. Là. Un, café, un, un film noir, mais c'est un style que j'aime, que je trouve vraiment esthétiquement très cool à jouer. Ouais, ouais. Moi, je dis, euh, allez, euh, allez acheter le jeu euh, de manière à ce que l'auteur puisse euh, se payer plein de café. Noir. Oh. Noir, bien ah, sûr. Bien All right, ben merci beaucoup et, et, et à la prochaine. Oui, merci, merci et euh, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, bye. Bon.